Bonsoir à toutes et à tous, et bien voilà, c'est le direct du réveillon, on le fait un peu chaque année comme ça, histoire de vous donner un petit bonsoir, et puis on va déjà juste trinquer avec vous, un petit coup de champagne comme ça, avant le début de cette soirée. Alors l'opération ce soir en direct, c'est le duplex, hein, si vous souhaitez vraiment, n'hésitez pas. Il y a une petite technologie toute simple juste en bas, vous avez soit des petits carrés à gauche, appuyez dessus sur l'image, et vous avez directement la possibilité de rentrer en duplex. Donc on fait la soirée duplex, c'est le grand soir évidemment, le grand soir pour basculer en 2024 dans la place du village. Alors ben, on est ensemble pour l'instant, puis on aura en deuxième partie de soirée à partir de 23h30, Johan Guillermin qui va être en direct depuis le Grand Bornand, là où il y a de la neige. Et ben il sera dans la montagne vers minuit pour nous faire passer en 2024, et vous allez voir qu'il y aura un beau feu d'artifice au Grand Bornand en Haute-Savoie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc pour vous, l'occasion d'adresser un petit message, j'espère pouvoir tous les lire ou presque. Et puis le must, c'est de passer en duplex. Le duplex, c'est-à-dire vous rentrez dans l'image, et puis vous communiquez avec qui vous voulez, et puis on peut échanger 5 minutes, mais pour l'instant, je commence déjà par vous trinquer avec vous, comme disait l'ami Pauillac, à laquelle on pense évidemment ce soir. La Mimi nous disait, Monsieur de Paris, si on se touche, eh bien, on va se toucher aussi. Voilà, c'est la grande soirée, évidemment. Bon réveillon de Toulon, nous dit-on. Ben, n'hésitez pas à mettre vos petits messages. Pierre-Yves également qui nous dit bonsoir à toutes et à tous. C'est parti. Bonsoir de Fontenay, c'est dans la Savoie. Alors, le principe du duplex, hein, je vous rappelle. Si vous avez, et je pense que sur tous les téléphones, maintenant c'est paramétré comme ça, sur la gauche, juste en bas de l'image que vous avez ici en direct, vous avez quatre petites touches carrées. Vous touchez dessus et il y en a une qui vous demande m'autoriser à passer en direct avec vos amis ou tout seul. Hein. D'ailleurs, on pense tout de suite à celles et ceux qui sont seuls ou souffrants, à qui on adresse évidemment une très belle soirée. On pense très fort à eux et bien sûr à tous et toutes après une année effectivement un petit peu compliquée. Une fois de plus, bonsoir, nous dit-on, du Père Noël à Beauvais. Noël à Beauvais. Ben, écoutez, le Père Noël, bravo, il est avec nous encore ce soir, il a fait un sacré boulot. Il faut patienter un peu, mais mes meilleurs voeux à tous. Alors effectivement, il y a certains qui disent qu'il ne faut pas souhaiter avant minuit. Alors on peut tout simplement échanger sans parler de vœux, évidemment, c'est pas une obligation. Bon réveillon de Saint-Laurent-sur-Saône en Saône-et-Loire. C'est dans l'Ain, pardon, ça touche la Saône-et-Loire. Voilà, on va essayer de voir si on peut d'avoir tout de suite avoir quelqu'un en ligne pour ce direct. On va envoyer l'invitation. Alors, c'est la technologie, on verra, c'est pas toujours évident, ça peut ne pas marcher. N'hésitez pas à renouveler du Pas-de-Calais au Touquet, où il y a eu du vent apparemment aujourd'hui. Bonsoir de Berlin dans le Pas de Barlin dans le Pas-de-Calais. Attention, c'est pas Berlin. On vous salue également, bien évidemment, là-bas, et on vous retourne tous nos voeux de bon réveillon. Pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Bonsoir de la Seine-et-Marne, nous dit Alice. Oui, santé de Bougie, nous dit-on également, avec évidemment, depuis l'Algérie, bah, ça fait plaisir. On va saluer tous nos amis qui sont au sud de la Méditerranée et qui sont aussi fidèles sur cette page. Bonsoir de Cabreton, c'est dans les Landes, Cabreton, c'est le direct. N'hésitez pas à nous inviter, à toucher une petite touche et rentrer en duplex. On salue Richard Beau qui nous souhaite une bonne et heureuse année, à toute l'équipe de la place du village. Et merci pour vos reportages, Richard, qui est dans le Chablais, qu'on avait vu l'autre jour, à son invitation, à déguster l'agneau. Il m'a invité à fabriquer avec l'alambi, évidemment. C'était du côté de Vailly. On salue évidemment Richard. Belle soirée aussi à toi et bon réveillon. Et puis déjà, bon vœu pour 2024. Évidemment, un grand merci de ta fidélité. Et on salue bien sûr, bon réveillon aussi de la Seine-et-Marne, nous dit-on. On vous aime. Ben Myriam, on vous retourne ce compliment. On vous aime aussi. On prend direct ce soir pour être ensemble. Alors que voilà, bah c'est une façon de passer un moment. Alors on va pas attendre jusqu'à minuit. On rappelle que Johan sera en direct à partir de minuit, un petit peu avant, du côté du Grand Bornand. Bon réveillon des Ardennes dans le 08. Voilà, bonsoir de la Vendée. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous appelez. Bonsoir de la Yacht. De la Yacht. Bonsoir à la Yacht, nous dit Cédric. Attention, il ne mélange pas tout. Hein. Bonsoir Gérard de la Cabenas. Je pense que ça, c'est dans le sud de la France. Et on va essayer de retrouver. On va redemander. Parce que n'hésitez pas à envoyer des invitations. Parce qu'il y a des fois, ça ne passe pas toujours. Et on nous dit parfois qu'on ne peut pas diffuser sur. Ça dépendra des opérateurs ou je ne sais pas trop quoi, mais on va essayer de le faire. Voilà, on va essayer de voir si on peut retrouver quelqu'un. Avec mon copain. Eh ben, on va saluer le copain, évidemment, et puis te souhaiter une belle soirée. Bonsoir, dis donc. C'est comment son prénom? Brandon. Brandon. Eh ben, on salue Brandon depuis la Belgique, et je crois savoir que tu habites pas très loin de la frontière française.
La sœur de mon papa habite à La Saint-Nicolas-la-Chapelle. sœur du papa habite en Savoie, en Haute, en Savoie, à Saint-Nicolas-la-Chapelle. Donc on va, ben voilà. Donc tu viens assez souvent dans la région. Et tu aimes bien faire du ski? Eh ben voilà, Jessica qui passe une belle soirée avec son copain. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jessica, pour 2024? Tout le meilleur du monde. C'est moi qui te le souhaite. Au nom de ceux qui sont sur la place du village, on te souhaite tout le bonheur du monde. Et puis, comment se passe la soirée? Ça va? Vous avez mangé un petit peu déjà? Ça y est, c'est fini? Eh ben voilà, écoutez, on te salue Jessica. Merci d'avoir osé la première à être dans ce duplex à 22h18, la grande soirée réveillon sur la place du village où on aime discuter. On te souhaite ben, un bon réveillon et puis une très belle année et puis à bientôt sur les réseaux. D'accord, une bonne année, bonne Et santé. reviens quand tu veux dans la région ici faire du ski à Notre-Dame de Belconque. Salut Brandon, salut Jessica, à tout bientôt. Arrive pas comme on dit. Ah, merci encore d'avoir été présente ici. Regardez-moi ça. Je vais essayer donc de juste d'enlever le. Alors je ne sais plus comment ça marche. Je suis désolé parce que je n'ai pas utilisé la technologie depuis quelque temps. J'ai juste passé à spectateur. Voilà, c'est ça. Passer à. Ça y est. Eh ben c'est bien. Merci Jessica qui était en direct depuis. La Belgique, on dit bien, pour ce premier contact duplex dans la place du village, on avait envie, tiens, comme ça, d'être ensemble. Cette page, la place du village, où on parle de direct, on parle de choses de montagne, on parle entre nous, on parle des belles choses, on parle d'une France qu'on aime bien, on parle des produits du terroir et on parle évidemment avec des gens sympathiques de la France ou d'ailleurs. Et maintenant, on va continuer, tiens, on va essayer de voir qui nous attend sur la ligne en duplex. N'hésitez pas à nous appeler, hein. Il y a une petite touche en bas, je vous rappelle bien, normalement, il y a quatre petits carrés qui sont juste en bas à gauche, vous touchez dessus et ça vous demande une autorisation. Et moi, je vous récupère ensuite si vous le souhaitez. Ou alors, il y a encore une autre formule. Il y a deux petits carrés l'un sur l'autre et il y a une indication qui vous permet de passer en duplex dans la place du village. On va essayer de rejoindre Annelise. On va essayer de voir si on peut la rejoindre. C'est pas toujours évident. Ils ne peuvent pas participer à votre diffusion pour le moment. Alors, on ne sait pas pourquoi. Les mystères de la technologie, c'est comme ça. N'hésitez pas à renouveler votre invitation. C'est votre soirée ce soir, on dit bien, la soirée réveillon, la place du village toute l'année, mais aussi soir du réveillon. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Ah Jean-Michel, il appelle d'où Jean-Michel? Il appelle de Floride. C'est pas encore la réunion pour Alors nous. ça, c'est super sympa. La Floride, et il est donc originaire de France puisqu'il a un bel accent français. Enfin, il parle bien français. Il parle français, oui, bien sûr. Ouais. Alors dites-nous, ça nous fait très plaisir de voir des gens qui sont au bout du monde, comme la Floride en direct ici, ou le réveillon là-bas, c'est quelle heure en Floride? Oh, 6 heures de moins. Et c'est On 6 heures attend de le moins. réveillon. Voilà. Alors dites-nous, la Floride, on connaît assez bien, il y a tous les archipels vers les Key West, vous avez Miami, et vous êtes à quel endroit alors vous? Dans la baie de Tampa. Eh oui, Tampa. Exactement. Alors dites-nous, faites-nous rêver, parce que la Floride, c'est en général 20 à 25 degrés en décembre. Oui, on a eu un peu de froid il y a quelques Ouais. semaines, mais normalement, oui, c'est entre 20 et 25 degrés à cette époque-là. Ah ben c'est super sympa. Et comment se présente, comment se prépare? Il est 6 heures de moins, nous sommes à 22h21 en France, ici avec Jean-Michel en Floride. Comment vous préparez votre réveillon? Eh bien, on va préparer des mets un peu français, les escargots, le foie gras et un peu d'huître. Eh ben ça nous fait plaisir parce qu'on a bien compris que vous êtes parti là-bas, mais vous n'oubliez pas la France. Non, on n'oublie jamais la Et regardez-moi France. ça, ce beau pays qu'est la France. De quelle région de France êtes-vous originaire? La Bourgogne. Mais de quel coin de Bourgogne? Dijon. Né à Dijon. Dijon. Ben bien sûr qu'on connaît bien Dijon. Et puis les Bourguignons, on les connaît parce qu'ils ont aussi un art de vivre à la française qu'ils peuvent exporter. Oui, on a pas beaucoup de vin bourguignon en Floride. On en a, mais à des prix très onéreux. Mais c'est fabuleux. Ben écoutez, c'est super sympa d'avoir été avec nous dans le duplex de la place du village. Vous connaissez la page, la place du village, j'imagine. Et de temps en temps, vous regardez un petit peu ce qui se passe. Oui, parce que j'aime beaucoup mes gèves. Eh ben écoutez, il y a neigé aujourd'hui, figurez-vous. Dans l'après-midi, il y a eu 5-10 cm de neige. Là, c'est magnifique. C'est la carte postale Bourbonnais en France. Début janvier. Eh ben écoutez, ça fait plaisir.
En tout cas, un grand merci à vous, bon réveillon et d'ores et déjà une bonne année 2024. Et puis merci d'avoir pris le soin d'avoir le duplex et d'avoir pris le duplex, mais de nous parler justement, eh bien, de ce qui se passe en Floride, vraiment. Et là-bas, il fait bon aujourd'hui, il fait bon? Oui, c'est très beau, oui, Et c'est dites très beau. donc. Eh bien, écoutez, Jean-Michel, un grand merci de nous avoir répondu. À tout bientôt. Et on se retrouve quand vous voulez sur le duplex et on vous fait encore tous les souhaits de fin d'année et d'année nouvelle. Arrive pas, comme on dit chez nous, ce qui veut dire en patois savoyard, au revoir. Happy New Year for you. Yes, thank you very much. Merci beaucoup, Jean-Michel. À bientôt. Belle soirée à Welcome. vous. Bye Au bye. plaisir de vous retrouver, évidemment. Ça, c'est super sympa. Vous vous rendez compte, Jean-Michel était en direct à l'instant même à 22h23 dans la place du village depuis la Floride. Maintenant, c'est vous que j'attends, que vous soyez en France ou ailleurs, peu importe, avec vos copains ou pas, avec vos amis ou pas, ou en famille, n'hésitez pas. On a déjà eu Jessica et Brandon au tout début. On a Jean-Michel maintenant et on va voir celles et ceux qui se présentent sur ma liste de gens qui veulent nous parler. On va voir si on peut rejoindre tout de suite quelqu'un en direct, en duplex. C'est pas toujours évident à manier parce que j'ai mon verre à la main. Vous n'oubliez pas, hein, je prends note des gens qui me demandent une invitation et puis je discute évidemment avec vous. 22h24, il y a encore une bonne heure et demie avant de passer à 2024. Hein, 22h24, 2024. Dans un instant, tiens, on va essayer de rejoindre quelqu'un qui se prénomme Sandrine. Elle est avec nous, Sandrine, j'imagine. La connexion est en cours. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir. Ah, c'est Je sympa. me trouve ah, je me trouve à l'hôpital. Eh bien, Je écoutez, suis à alors, ben, d'ores et déjà, bon rétablissement et tout notre soutien. Oui. Je suis à Ranguieil, à Toulouse, pour des Oui. petits soucis cardiaques. D'accord. Mais Ah ben. je vous suis toujours, monsieur de Ah ben, Paris. écoutez. Surtout avec Mémé, qui était la Mémé Pauliac, que Bien sûr, la Mémé Pauliac. j'adorais. Ben, bien évidemment. Ah ben, dites donc. Oui. Que j'aimais beaucoup. J'aime aussi vos reportages. Gentil. Et voilà, j'ai eu des petits soucis cardiaques et je me trouve là dans le service cardiologique H1 à Ranguieil-Toulouse. Eh bien, écoutez, Un service de pointe avec un personnel remarquable. très compétent, Ah ouais. remarquable, une équipe formidable. On va Et saluer. on n'est jamais seul. Et Exactement. je souhaite beaucoup de santé à tout le monde, car la santé est essentielle dans la vie. Exactement. Et faut jamais perdre le courage, il faut toujours avoir le sourire, Eh bien, quel que écoutez, soit. c'est un beau message, Sandrine, parce que, vous voyez, au travers de vous, on va saluer tous les gens qui sont souffrants, mais aussi tous les personnels de soins qui sont présents ce soir, évidemment, et toute l'année, évidemment, à nos côtés, Oui. on va le rappeler. Donc, vous êtes dans une chambre, c'est ça, j'imagine? Ah ben, non. Je suis en cardiologie. Je suis dans ma chambre, vous Eh bien. voyez. J'ai des appareils Eh bien, écoutez, branchés vous êtes bien pour suivi, mon petit cœur. on voit tout presque. Hein, si on voit. Écoutez, Voilà. on vous souhaite surtout un bon rétablissement, on espère que ça va être très vite Tout résolu. va mieux Eh bien, aller. c'est J'espère de formidable. tout cœur en 2024 Très bien. avoir un petit cœur nouveau. C'est Ah, ce ben que je dites me donc. souhaite. Eh bien, on va vous le Mais souhaiter bon. aussi. Et puis, J'espère que tout ira bien. tenez-nous au Mais courant. vraiment, les gens qui souffrent, il y a toujours une étoile dans le ciel, il y a tous les jours le ciel qui brille. Faut y Exactement, c'est un croire. très beau message. Il y a toujours une étoile. Il faut y croire et ça marche, effectivement. On vous souhaite effectivement un petit cœur nouveau pour 2024. Dites, tenez-nous au courant quand même, parce que ça nous fera plaisir de savoir un petit peu tout ça. Et puis Très surtout, bien. eh ben écoutez, moi je suis vraiment Merci ravi que vous ayez beaucoup, Monsieur de pris le Paris. duplex. Ben, c'est Vous êtes formidable. Mais formidable. c'est vous, au travers de Santé vous, vous voyez. pour votre famille Voilà. et beaucoup de Merci. bonheur. Et vous habitez où, sinon, dans quelle région vous habitez? Pas même J'habite à Toulouse? Cahors, Ah, dans le Cahors! 46. Et qu'on connaît bien Cahors, une très jolie ville, Dans le Cahors, dans le 46, Lot où on a du très bon 46. vin et Exactement. du bon canard. Exactement. Et on y est passé par Et là-bas. Et on a des très, très beaux des patrimoines. rocamadours, des Exactement. cabécous, des très bons fromages. Cabécours, Rocamadour. Ben, écoutez, on fait la promotion aussi du Lot, hein, le Oui. département, avec ce plateau magnifique, entaillé par les rivières. Et puis, c'est une belle région d'art de vivre, justement. On est apaisé. Exactement. Eh bien, on vous souhaite tout le meilleur pour 2024, Sandrine, et je vous Merci laisse beaucoup. passer une très Santé à belle vous nuit. aussi. Merci beaucoup de votre message, tout le monde l'aura entendu, et nous le premier, la santé, c'est précieux. On la souhaite déjà à toutes celles et Et ceux qui nous meilleurs écoutent. vœux pour cette Et meilleurs vœux, c'est 2024. très gentil. Merci Merci beaucoup, beaucoup. portez-vous bien. À tout bientôt de vos nouvelles. À tout Merci encore de nous bientôt. avoir.
répondu. Merci beaucoup, Merci. monsieur de Paris. Merci beaucoup à vous. Voyez, bah écoutez, ça nous fait vraiment plaisir. Alexandrine, depuis l'hôpital de Toulouse, où elle a des petits soucis cardiaques, qui ont eu le meilleur établissement. C'est à vous la parole. On est en direct ce soir pour parler, pour échanger avec tout le monde. Si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas avec vos amis et n'hésitez pas à nous dire un petit message. Utilisez la fonction duplex. Je dis mon message. Bonsoir à la yacht. On est toujours au rendez-vous. C'est gentil. Jessica qui nous regarde. Bonsoir de la Charente. Bonsoir, bon réveillon, nous dit-on depuis les Landes. Ça, c'est super sympa. Bonsoir et bonne et heureuse année pleine de bonheur. Bonsoir de la Vendée. Jeff, bonne année. Jean-Noël me dit-il. Salut Jeff. On se retrouve effectivement en mars à ES pour le Tomorrow Winter. Jeff Galucci, qui est un jeune homme passionné de la Savoie d'abord, mais aussi de la musique. Et il nous enchante quand on le voit à chaque fois. On a un bon feeling vraiment tous les deux. Et Jeff, on te souhaite une belle soirée avec tous tes amis et ta famille, évidemment. Et puis, tu vas tout nous déchirer sur le plan musical. Jeff Galucci, qui a déjà participé à des grands rendez-vous de l'électropop, notamment en Belgique, à Tomorrowland, Tomorrowland l'été, évidemment, avec des gens comme Martin Garrix ou Alesso. On l'a vu aux côtés de ces gens-là. On te salue encore, Jeff. Philippe qui nous dit, meilleur 2024, pense à Mipoya, qu'on a déjà dit. Mipoya qui nous regarde là-haut et qui nous aide certainement. Voyez, de gros bisous. Notre professeur préféré, nous dit Florence. Eh ben, c'est gentil. De Bergerac maintenant. Ben, ça fait plaisir aussi. Bravo et merci de ce direct. Bonjour du Pornic, nous dit-on, la Bretagne qui a eu du vent. Là aussi, on pense aussi, on n'a pas dit à ceux qui ont eu beaucoup de vent ou à ceux qui sont les pieds dans l'eau, dans le nord de la France en particulier, avec des pluies qui reviennent. On est à vos côtés. N'hésitez pas à prendre des duplex. Alors, j'essaie de retrouver cette fois-ci les gens qui peuvent nous parler ici sur la liaison duplex. On va essayer de retrouver quelqu'un dans un instant. C'est à votre tour. N'hésitez pas. Allez, entre la poire et le fromage, entre les escargots et le caviar. Si c'est le cas, évidemment, je m'en étrange. D'ailleurs, je vais encore souhaiter voilà, un petit coup de. Bonsoir, Bertrand. Bonsoir, comment va? Bien, Bertrand. Alors, tu nous appelles d'où, Bertrand? De Vaucresson dans le 92. Eh oui, écoutez, le 92, ben c'est super sympa d'échanger un soir de réveillon. Comment ça se passe pour toi, le Ben, réveillon? très, très bien, on est en famille autour d'un petit feu, Alors, faut lui présenter la famille, un bon petit Bertrand. vin de Alors, doux. le petit vin qui vient d'où, celui-ci? Il a l'air bon. De Cadillac. Eh ben, dis donc, Cadillac, ça roule, hein? Oh là là! Alors, donc, présentez-nous un petit peu les gens qui sont à vos côtés, ça vous dérange pas? Ou si ça les dérange pas, évidemment, on n'est pas là Non, pour. c'est Eh ben, mon épouse, on Aline. la salue, c'est comment sont prononcés, Aline, c'est Voilà. ça? Ah, Eh ben, et Aline, on voilà. revient de Megève. On était à Ah! Megève pendant 10 jours Eh ben, dites à donc. Noël. Et ça vous a plu? Voilà. Super, super. C'est génial, hein? Ça fait plus de 60 ans qu'on va à Et dites Megève, hiver comme donc. été. Ah ouais. Et vous avez eu la gentillesse de faire un petit reportage sur notre fils Arthur, le restaurant à la montagne. Eh ben oui, Je suis le frère exactement. de François. Eh ben très bien. Eh ben, on va saluer Arthur et François, évidemment. Ah ben ça me fait plaisir. C'est mon frère jumeau qui va rentrer dans un instant en duplex, hein, avec nous, qui va nous en parler. Donc c'est Vaucresson où vous habitez dans le 92. Eh Voilà. ben dites donc. Alors, Megève, justement, quand on vient à Megève, on fait quoi? Du ski, du shopping, on prend l'air? Non. Du ski, des balades, Ouais. des raquettes, du ski de Ouais. randonnée, et l'été, des grandes balades, Ouais. hein, du VTT, VTT électrique maintenant. Mais... Exactement. Mais on va loin, on va assez haut et on voit des paysages phénoménaux. Exactement. Et dès qu'on Ouais. s'éloigne du village, en fait, il n'y a personne. Donc, Exactement. on est Et vraiment oui. tranquille, en pleine Ouais. nature. Et vous venez vous ressourcer dans les Alpes du Nord. Bah ça me fait Exactement. plaisir. Aline et Bertrand, on va vous souhaiter évidemment un très bon réveillon, puis une très bonne année 2024. Déjà, on peut le faire même avant l'heure. Et Ouais, puis surtout, et merci. puis revenez Beaucoup. nous voir ici, voir Arthur évidemment. Et puis on se reverra peut-être bien à l'occasion. Ça me fera plaisir, hein, Allez. franchement. Merci, En merci en tout tout cas, cas pour votre merci émission. d'avoir pris le duplex. C'est vraiment sympa. À 22h31 ici avec vous pour nous parler de Megève d'un côté et de Vaucresson. Et on vous souhaite de passer une très belle soirée et une belle année 2024. À tout bientôt. Merci. Merci à Et vous. bon réveillon encore. On va vous Au saluer. revoir. Merci Merci, au revoir. beaucoup. Au Voilà, bah, revoir. ça fait plaisir. Voyez, on est en direct. On dit bien depuis maintenant un petit quart d'heure sur la place du village. On échange comme ça, tranquillou, avec vous. Bonsoir de Marinier. Je lis vos messages. Bon réveillon de Saint-Galmier, nous dit-on. Ça, c'est sympa. Bonne soirée. Je lis vos messages. Bernard nous dit bonsoir, meilleurs vœux. N'hésitez pas à prendre le duplex. C'est pour vous. On était à Vaucresson dans le 92. On était en Floride tout à l'heure. On était en Belgique. On était à Toulouse.
c'est pour vous ce soir, le duplex, pour échanger. On rappelle que s'il y a des gens en ligne et qui sont nos amis de l'équipe, la team, la place du village, ils peuvent aussi prendre le duplex s'ils le souhaitent, que ce soit à Lily du côté de la Lozère, que ce soit Alain, et que ce soit Josy, que ce soit mon frère jumeau qui devrait rentrer en duplex. Il m'a promis qu'il vous dirait un petit bonjour, le coquin. J'espère qu'il va pas y oublier, parce que bon, il peut boire un petit coup, mais en général, il boit pas de trop, il fait attention. Finissez bien l'année. Ou encore Johan, qui lui va rentrer, lui va monter dans la montagne depuis le Grand Bornand. Bon réveillon enneigé du Grand Beau, nous dit Hélène. Ça me fait plaisir. Bonsoir de Toulouse, nous dit-on. Oui, ben c'est Sandrine, on l'a vu tout à l'heure, ça me fait plaisir aussi. De Vaux-le-Pénil, Seine-et-Marne, un petit bonsoir. Oui, n'hésitez pas à nous mettre des petits messages. Marc Richard qui nous met aussi un bon réveillon. Oui, on a mis un peu notre 31 ici, on est un peu sur notre 31, si vous voulez. Hier, on a tenu un peu des contracteurs, on avait remonté les chemises. Alors, on n'a pas complètement, pour ma part, fini la soirée, évidemment. Je suis dans un petit chalet de montagne, mes amis, c'est un peu plus haut, mais je suis un peu isolé. Pour avoir une liaison de qualité. On rappelle que le duplex est ouvert. Bon réveillon à vous, nous dit Bernadette, qu'on salue. Alors, on salue évidemment tous ces et ceux qui nous donnent un petit bonjour depuis Montauban, comme par exemple Dominique. Et on vous retourne évidemment un bon réveillon et aussi déjà des bons vœux. Alors, tentez qu'on puisse les faire avant minuit, hein. On va le faire parce qu'après minuit, on va lâcher l'antenne d'ici quelques temps, évidemment. Je vais regarder à nouveau les duplex qui nous viennent ici et qui nous proposent un duplex, hein. J'essaie de gérer un petit peu tout ça. Alors, pour la Haute-Savoie, ben, on a eu le beau temps, enfin, de la neige. C'est une bonne nouvelle. Puis demain, beau temps. Bonsoir, 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 ça va venir tout de suite, et c'est Raymond que j'attends. Bon. Bonsoir Raymond. Bonsoir. Comment allez-vous? Ben bien, dis donc, et vous, comment ça va? Ben, impeccable. Vous habitez où? À Saint-Flour dans le Cantal. Saint-Flour dans le Cantal, j'y suis passé. Voilà. Et je trouve que c'est une belle région, Cantal. Ouais, très beau. Et vous avez des plateaux, vous avez des sommets, vous avez une qualité de l'air incroyable. Ouais, on a même une station de ski, le Lioran. Oui, eh ben, je suis monté là-haut, au Lioran, et j'ai vu qu'il y avait. Ça a dû neiger un petit peu d'ailleurs aujourd'hui au Lioran. Ouais, un peu, ouais. Hein? Il y a un peu de neige. Il y a un peu de neige. Eh ben, dites donc, comment se passe le réveillon, Raymond? Ah ben, je suis tout seul. Eh ben, on est là avec vous, vous n'êtes pas tout seul. Il y a plus de 130 personnes qui nous regardent, et on est ensemble pour passer le réveillon et pour basculer en 2024. Ah ben c'est bien, merci, c'est gentil. Vous avez fait un petit extra ce soir, non, au niveau du repas? Oui, j'ai fait un petit repas léger. Eh bien, écoutez… Des escargots, coquilles Saint-Jacques et… Bah, non, c'est pas tout à fait léger tout ça, mais c'est beau quand même. Ben non, mais bon, faut se priver. Hein. Vous avez bien raison. Et puis, la région du Cantal est une région où on mange bien également. Il y a du bon fromage. Exactement. Eh ben, et vous connaissez un peu les pays de Savoie, la Haute-Savoie, non? La Savoie, les Alpes? Non, j'ai entendu parler. Hein. Ouais. Et vous êtes dans un département rural, le Cantal, nous on l'aime bien. Parce qu'il y a. Exactement, très calme. C'est calme. C'est un pays qui est magnifique. C'est magnifique. Alors, franchement, à toutes les saisons, que ce soit le Cantal, la Lozère aussi, qui n'est pas très loin non plus, que je connais aussi, ouais. Franchement, vous avez des panoramas exceptionnels. Ah oui, c'est magnifique. Dites donc. Et puis, moi, ça fait 10 ans que je suis en Auvergne et je me plais trop. Eh ben écoutez, j'ai pas envie de partir. Hein, voyez, et vous étiez où avant? La Normandie, Caen. Dites donc, ah, vous êtes passé du Caen au Cantal. On rajoute le Caen au Cantal. Voilà. Eh ben, de Caen en Auvergne, oui. Je venais avec mon gamin en vacances. Voyez. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est sympa. Oui, mais le Cantal, c'est aussi la montagne et on partage les mêmes valeurs, vous savez, ces beaux panoramas, la tranquillité. Ah, oui. Ouais. Et les gens sont très, très serviables. Très accueillants, très serviables. Vous voyez, il faut le dire, Raymond, on a aussi en France des régions, on en a plus qu'on le croit, où il y a les gens sympas, serviables, on peut discuter, on peut échanger. C'est ça qu'il faut garder. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, ouais. C'est super, super sympa. Et vous marchez un peu dans la région, là-bas, vous promenez un petit peu? Ah ben, comme j'ai pas de voiture, je reste dans Saint-Flour. Bien hein. Sûr, il y a de quoi faire déjà à Saint-Flour. Ah oui, il y a pas mal de trucs à voir hein, quand même. Il y a Carabie, il y a Château d'Alleuse. Exactement. Eh oui, voilà. Saint-Flour. Aurillac, la capitale du Cantal, c'est le numéro 15, on l'a appris à l'école. Voilà, 15. Il y a Murat, après il y a Martillac, il y a pas mal de trucs à voir. Hein. Et bien sûr,
on est dans une belle région et c'est pour ça qu'on fait aussi des duplex, c'est qu'on discute avec des gens qu'on ne connaît pas forcément et puis qui nous parlent de leur région. Ouais, et dites donc, voilà. Et ben, ça me fait plaisir. Et la place, vous connaissez un peu la place du village, cette page hein, là où que vous êtes en direct actuellement là. Oui, ça fait un moment que je suis dessus et ça me plaît. Écoutez, vous pouvez rester. Demain, on sera dans la montagne et on vous promet qu'un jour ou l'autre, on essaiera de faire un tour dans le Cantal. On a une correspondante qui travaille avec nous, qui est Lily Rose, qui est dans la Lozère et de temps en temps, elle fera un petit tour du côté de Saint-Flour. On va lui demander, tiens. Ça me fait plaisir. Ah ouais, pourquoi pas? Parce que c'est très beau, Saint-Flour. Hein, c'est magnifique. Hein. Mais bien sûr. Et puis, il y a le patrimoine, il y a l'histoire, il y a tout ça à voir. Ah oui, il y a l'histoire. Ouais. Merci, Raymond. Je vous rien. Belle soirée. Et bonne année. Bonne année. Et merci d'avoir pris le duplex. Bonne santé. Portez-vous bien. Et revenez quand vous voulez sur cette page, sur un duplex ou pour un commentaire. Vous serez le bienvenu. Raymond de Saint-Flour. Pas de problème. Merci. Beaucoup Raymond, vous salut. À bientôt. Arrive pas comme on dit chez nous, ce qui veut dire au revoir en patois savoyard. Écoutez, c'est pas beau ça, franchement, de se promener comme ça. On sort de Saint-Flour, on discute avec Raymond qui nous parle de sa région. Eh ben, n'hésitez pas, c'est à vous. N'hésitez pas à nous dire un petit message. Juste, si vous le souhaitez, évidemment. Comme ça, c'est pas une obligation. Et de discuter avec nous, avec mes amis qui font un peu de bruit là-haut parce que ils ont mis la musique un peu plus fort. Je sais pas si vous l'entendez. Mais en tout cas, on est avec vous ce soir pendant un certain temps, pour le duplex de la place du village. Bonne année. Alors, écoutez, on va voir quelqu'un qui se prénomme. Allez, je le devine dans ma boule de cristal. C'est Jean-Luc. Bonsoir. C'est Jean-Luc. Oui. Bonne année, bonne santé. Bonne santé, Jean-Luc. Jean-Noël. Comment tu vas, Jean-Luc? Regarde. Ah, bah oui. Mais tu es où, là? Alors, là, je passe quelques mois à Nouméa. Et je suis. Nouvelle. Je suis sur Nouméa. Pour nous, Calédonie. Le réveillon, c'est fini. Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est génial. Nouméa. Là, on est avec quelqu'un qui a un décalage horaire avec nous. Alors, dis-moi quelle heure c'est chez toi. Eh bien, on a 10 heures de plus que vous. Donc, t'as quelle heure il est? Ben, moi, il est 22h39. Donc, je vais te dire, si on en remet 10, ça va faire minuit 39. Ça va faire 8h39 du matin. Voilà, nous, il est 8h39, tu vois, on se lève. Quoi? On se lève, on va prendre le café, et pendant que vous allez prendre le champagne. Tiens, allez, on va traquer avec 10 heures de décalage, on s'en fout. C'est Jean-Luc de Nouméa qui nous tient et qui va nous parler un petit peu de son pays là-bas. Tu fais quoi là-bas? Tu es expatrié? Non, moi, je suis en vacances. J'ai ma fille qui est expatriée ici. Très bien. Elle vit ici depuis 7 ans. Très bien. Et ça fait 6 ans, à part pendant la période Covid où on n'est pas venu. Oui. 6 ans qu'on descend, on passe 2 mois, 3 mois en période de Noël, pendant les vacances scolaires d'ici, tu vois. Bien sûr. Ah, ça me fait plaisir. Et là, tu es d'où en France? Je suis un peu apatride, moi, en France. D'origine, je suis d'Antibes, ma femme est de Cannes. Oui. J'ai vécu en Bretagne, oui. À Nantes. Oui. Ensuite, quand j'étais à la retraite, je suis allé vivre en Espagne. Ah, oui. Et puis, il y a eu le Covid et je me suis rapatrié à Perpignan. Ah bah bien. Tu vois. Perpignan, c'est pas mal non plus comme climat. Hein. Non. C'est très venteux, hein, c'est très, oui, très venteux. Il y a la tramontane qui pousse là-bas, il voilà, fait du vent. Alors dis-nous, ouais, un petit peu, le temps qu'il fait, parce que nous, on est donc basé, là, je suis dans un chalet de montagne où il a neigé tout à l'heure, quelle température maintenant à peu près à Nouméa? Alors, ce matin, il doit faire à peu près 29. Et il est que 8h du matin. Dis donc, alors là, il faut nous envoyer un peu de soleil, un peu de chaleur, on en a bien besoin. Regarde. Je vois. Ouais. Le jour se lève, il y a un petit vent, on voit des palmiers, c'est Le jour est levé depuis quand même 4h du matin. Hein. Le soleil se lève vers 5h. Hein, exactement. Eh ben, aujourd'hui, il y a un petit vent, c'est bien, ouais, ça nous fait du bien. Ouais. Parce que ces derniers jours, c'était assez, assez chaud, même très chaud. Ouais. On est monté à plus de 38. Oula, c'est lourd à 38. Hein. C'est quand c'est un peu un peu humide. Et c'est quoi les loisirs, les activités à Nouméa? Tu te promènes un petit peu sur la plage? On se promène beaucoup. On va à droite, à gauche. On profite de la mer. Ah ben ça fait. On profite de la mer. Ça me fait plaisir. Et après, bon, on a un petit garçon qui est scolarisé, donc là actuellement, il est en vacances, donc on s'en occupe toute la journée. D'accord. Et puis le deuxième, parce que les deux ensemble, c'est très épuisant.
On l'a que le soir après la crèche. Je comprends bien. Donc les parents travaillent. Voilà, alors bonjour aux parents de ces petits-enfants. Et puis, notre amitié à tous les habitants de Nouvelle-Calédonie, évidemment, puisqu'on est reçu là-bas. Merci, merci. Avec 10 heures c'est de gentil. Décalage. Disons, bah, c'est 10 sympa heures de parce décalage. Que. Allez, alors, comment s'est passé le réveillon vu que tu es couché à quelle heure? C'est pas discret. Oh, bien, alors, on s'est couché assez tôt parce que mon épouse est malade. On a attrapé tous les deux une espèce de grippe. Oui. Et hier soir, elle était HS, d'accord. Donc on est rentré. On a fini de dîner, c'était à peu près 23 heures. Et on est rentré quasiment tout de suite derrière. On n'a pas attendu les 12 coups de minuit, tu vois, parce qu'elle était vraiment fatiguée. Bah, je comprends bien. Bah, écoute, bon rétablissement après ce petit rhume ou cette petite grippette, hein, c'est pas grand-chose. Et tu rentres quand en France? On rentre le 20 février en France. Oh, sacrées vacances. Eh ben, amitié à toute la famille de merci Jean-Luc Jean- qui nous appelle. Noël. C'est super sympa. Et tu connais la place du village également? Tu regardes un peu? Oui, mais je te suis souvent. Hein. Souvent, je t'envoie des messages, je vois que tu les lis, tout ça. Eh ben, c'est gentil. Bah, tu continues. Quand je suis en France, c'est facile de t'attraper en direct. Ouais, bien sûr. Mais là... quand je suis ici à Nouméa, il faut le prendre. C'est pendant la nuit, tu vois, quand je me réveille. Tu vois, tiens, je suis peut-être en direct. Voilà. Merci. En tout cas, Jean-Luc et ta petite famille depuis Nouméa, ça fait super plaisir. Bonne année encore. Merci, et puis, bonne année, bientôt. Bonne santé à tous. Merci, gentil. À bientôt, Jean-Luc. Merci. Noël, au revoir, c'est super sympa. Ciao. Merci, au revoir, à bientôt. Eh ben, ça fait plaisir. Vous voyez, Jean-Luc qui nous appelle depuis Nouméa. N'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes toujours en direct duplex dans la place du village. Il est 22h44, encore une heure et quart avant de s'embrasser sous le hou. Je ne sais pas si on fait comme ça encore maintenant ou pas. Je lis un peu vos messages quand même. Bonne année de Murat dans le Cantal. Ça me fait plaisir. Bon réveillon, nous dit Nanou. Et voilà, ça fait plaisir. Bonne année aussi à tous ceux qui nous ont écrit des petits messages. On les lira tous. Bon réveillon de Floride, nous dit Jean-Michel. Bien sûr, pas encore pour nous. On vient d'avoir quelqu'un de Floride. Non, mais c'était d'ailleurs c'était Jean-Michel de Floride effectivement qui nous a un petit message super sympa. Bonne soirée de Douai-la-Fontaine. N'hésitez pas à toucher les touches en bas, il y en a plusieurs pour essayer de nous trouver. On aime la Savoie, Dauphiné, nous dit-on. Bon réveillon à partir de Toulouse. J'attends mon frère jumeau, j'espère qu'il pourra venir en duplex et en direct. J'ai essayé de voir si on peut pas le retrouver dans la liste des participants de façon à essayer qu'il nous fasse un petit bonsoir ou un petit bonjour. En tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas. Je vais essayer de voir si je peux avoir d'autres personnes en duplex à midi. Il est quoi? Il est, oui, 11h, midi, 10h, 10h, 11, 22h45. On va essayer de s'y retrouver parce que on en perd un peu son latin ici. Oui, parce qu'après, on va encore reprendre un duplex à direct avec Johan Guillermin dans la soirée, hein, pour le passage à la nouvelle année. On sera depuis le Grand Bornand. Il faut un magnifique feu d'artifice au Grand Bornand. On va essayer de rejoindre cette fois-ci Annelise. J'espère qu'elle va pouvoir nous répondre dans ce duplex. N'hésitez pas à nous dire ce que vous, voilà. Bon réveillon. Merci Brigitte. Merci également Lynn. Merci Michel. Tous ceux qui nous écrivent des petits messages très gentils. Anne-Erina qui nous écrit un petit mot également. Flo qui nous parle de Mimi Poyak, on l'a effectivement en mémoire, Mimi Poyak sur nos pages, on l'a vu souvent, je l'avais rencontré très nombreuses fois, et c'est vrai que quand arrive Noël ou les fêtes de fin d'année, on pense évidemment à elle. Bonsoir, bon réveillon de Kabylie, nous dit-on. Bonjour à tous nos amis depuis l'Afrique du Nord, bonsoir, nous dit Béatrice. Joyeux Saint-Sylvestre, c'est la Saint-Sylvestre, nous dit Lynn, qu'on embrasse évidemment, on vous embrasse toutes et tous. Meilleurs vœux du Québec, nous dit Nicolas. Alors pas de réponse de la part de l'invité, alors je vais essayer de rejoindre, on va essayer de retrouver, c'est pas toujours évident, on va essayer de le relancer, la machine ce soir est occupée, il y a beaucoup de gens qui passent des messages, d'ores et déjà, Joshua qui nous souhaite également une bonne année, Marie-Ange également, super sympa, Annick également depuis Vichy, n'hésitez pas, Janine également, merci de tous vos messages et merci à la communauté, vous êtes nombreux, 1 050 000 maintenant sur notre page Facebook et vous êtes également nombreux sur d'autres réseaux, sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux de la Place du Village. Une émission qui a commencé en 1994. La Place du Village Télévision a commencé en 2024, il y aura 30 ans. Alors on va essayer de célébrer ça à notre manière, vous verrez comment, vous allez voir. Voilà, j'essaie de joindre Annelise. Bonsoir, nous dit Béatrice, je lis vos messages. Running VTT qui nous souhaite, qui dit superbe la Floride, oui, effectivement. Voilà, bonsoir également, nous dit-on. Alice également, voyons, essayer de prendre un peu les messages, bonsoir. Et mon frère jumeau que j'attends également, je pense qu'il va peut-être se manifester, je ne sais pas s'il est présent sur les lignes. Meilleurs vœux pour 2024, on va regarder si on peut récupérer d'autres personnes.
N'hésitez pas. Donc, pour vous connecter et demander la liaison du Plex, c'est tout simple. Il y a une petite touche en bas à gauche de votre écran. Vous allez voir, il y a quatre petits carrés. Vous touchez dessus. Et là, vous allez avoir une proposition. M'inviter, je crois, vous appuyer. Et puis, moi, je vous prends en ligne. Et puis, on discute 5 minutes comme on l'a fait avec Raymond, avec Bertrand, avec Jean-Michel, avec Jessica, avec Brandon, avec Jean-Luc, avec plein de gens jusqu'à présent. En direct à 22h47 dans la place du village, comme si vous y étiez, ben nous y sommes et vous y serez peut-être dans un instant. N'hésitez pas à activer le duplex. Et puis on rappelle une fois de plus, bien tout le, on souhaite tout le meilleur à celles et ceux qui seraient en souffrance ou seuls, on le dit bien, et puis à tout le monde, bien évidemment, au-delà de ça. Mais c'est vrai que c'est un moment particulier et on est tous à vos côtés, tous ensemble. Jérôme qui nous dit salut Jean-Noël, Jérôme Baudot, à qui on retourne évidemment tous nos vœux, tous ceux et ceux qui nous ont écrit un petit message ce soir, et on essaie de regarder un petit peu tout ça, les informations. Alors, l'information, c'est qu'il y aura du beau temps demain qui revient avec quelques petits nuages sans plus en montagne. Il y a du vent encore dans l'ouest de la France, dans le nord. Il y a de la pluie dans le nord de la France. Donc, encore une pensée à ceux et ceux qui sont en difficulté, évidemment. Meilleurs vœux du Doubs, nous dit-on, dans le 25. Bonsoir de la Lorraine. Je vous fais de gros bisous, nous dit Marc. Et bah écoutez, on te retourne également tous les bisous, évidemment. Gisèle, Marie-Christine nous donne un petit message également. C'est super sympa. Regardez-moi ça en duplex. On va essayer de voir si on peut récupérer d'autres personnes. Toujours en direct, en duplex dans cette grande soirée. Et ça me donne soif, moi, je sais pas vous, mais moi. Ah non, pas en audio. Un petit coup de champagne. Alors, Annelise, comment va Annelise? On essaye de ça joindre va, Annelise. Ça va? Eh ben, oh, j'aurais pas dû. En audio, j'aurais dû mettre en vidéo. Ça, alors, tu ne peux pas passer en vidéo, qu'on te voit éventuellement, en tout cas dans l'audio. Et Annelise, qui on te souhaite un très bon réveillon. Bonjour, évidemment. Bonjour Jean-Noël. Ouais, ça me fait plaisir. On s'était croisés dans l'été, rappelle-toi, au Grand Bornand. Et bonne et heureuse année. Hein. Merci à toi aussi, à tous tes proches, évidemment, et un bon réveillon. Comment se passe le réveillon, Annelise? Je vais voir si je peux essayer de me mettre en mode vidéo. Alors, si on peut passer en vidéo, parce qu'on aime bien aussi se voir directement. Après, on a la voix, mais ça fait plaisir de se voir. Tu es donc à Angers, c'est ça, ce soir? Oui, moi, j'habite Angers. Hein, c'est ça. Et là, je suis à Montreuil-Juigné. Oui. Avec ma maman et puis ah. Une amie. Eh bien, bonjour à la maman et à l'ami. Mon amie Nathalie. Oui. Et puis, voilà. Comment se prénomme la maman? Bon, alors ma maman, elle s'appelle Anna. Eh bien, on salue Anna, on lui fait des grosses bises, ainsi qu'à Nathalie, dis donc, Annelise. Oui. Hey. Ah ben, ma maman, elle regarde beaucoup la place du village. Ça me fait plaisir. Hein. Ben, si on pouvait passer en visio, si tu peux avoir la petite touche visio, ça sera alors, le petit plus pour la soirée. C'est pas une obligation, évidemment. Mais on est vraiment content de t'avoir avec nous. Petit. Tu connais. Voilà. Petit cœur, étoile, une flèche et l'eau. Ah, c'est la technique. C'est la technologie. Mais je ne sais pas comment ça. Je ne vois pas où passer en mode vidéo. Il faut appuyer sur toutes les touches, ça va venir, ça va finir par venir. Alors, comment se passe voilà, le réveillon, Annelise? Alors, là, il y a étoile. Là, on enlève l'audio. Là, il y a l'audio, j'ai vu apparaître un petit signal. Écoutez, la technologie, c'est ça, voilà. Maintenant. Hein. Ouais, on n'est pas des grands spécialistes. Avec mon iPad, je ne pense pas que je vais réussir, parce qu'avec mon iPad. Ah, c'est peut-être l'iPad qui fait ça, c'est possible. Je vais essayer, je vais voir, mais. Essaye. Essaye. On va discuter, et après tu pourras rappeler éventuellement avec la touche, on verra comment ça se passe, d'accord? Si ça se trouve, j'arriverai mieux sur Messenger à vous appeler. C'est vrai. Ouais, comment se passe le réveillon avec ta maman et ton ami? Ah, bah ça se passe très bien. Hein. On a bien mangé. Oui, vous avez mangé quoi? Tiens, qu'on puisse savoir comme ah, ça. Bah, on a mangé une pintade. Une ah, bah, pintade donc. Avec. Des pommes. Pommes et châtaignes. Pommes et châtaignes. On a plein de petits choux, plein de choses. Eh ben c'est bien. Et qu'est-ce qu'on boit avec? Moi, tu vois, je vais trinquer, tiens, avec ta maman et puis toi et puis alors, Nathalie, bah, avec ça, un petit coup de champagne, moi. Du coup, ça va être du champomis, hein, parce que... Non, on a bu du Montrocousse. Ah, ben, t'as de l'eau, maman, mais moi, ça a été plutôt... ça champomis, hein. C'est bien d'être prudent, mais le champomis, c'est pareil. Après, oui, on peut se faire plaisir. Avec du champomis, il y a des bulles quand oui, même. Voilà. Du moment que ça, qu'il y a des bulles. Exactement. Il y a beaucoup de neige chez vous. J'ai vu alors, ça. Nous, ça a neigé. Donc, aujourd'hui, dans les Alpes du Nord où nous sommes basés, on dit bien,
tomber 10 cm vers 1200 mètres. Et demain, il y aura du soleil, plus qu'aujourd'hui. Et demain, ça sera des bonnes conditions pour skier. Mais il n'y a pas, mais il y a pas de neige en dessous. En dessous du 800, il n'y a pas de neige. Nous, c'est plutôt la pluie. Ah oui. La pluie, le vent, il y a eu un petit peu de tonnerre aussi. Ah bah dis donc. Ah bah tiens, tonnerre en décembre, il y a sûrement un dicton, mais je ne le connais pas. Ça faisait un bruit sourd. Ah bah tu vois. Alors tu connais bien en plus, Annelise, la région, puisque j'ai vu, et on le sait, tu as visité alors tous les coins et recoins de la Haute-Savoie quasiment. Ah oui, oui. L'année prochaine, c'est ah ça. Oui, l'année prochaine, j'ai envie de faire les Condamines de Montjoie. Ah oui, bien sûr. Gève, bien sûr. Bien sûr. Et puis, pourquoi pas participer à une autre fête et vous revoir. Mais avec plaisir, mon frère jumeau, il va reprendre le duplex dans un instant. J'espère que je vais avoir en liaison rapidement. Ouais. Mais en tout cas, un grand merci, Annelise. Bon réveillon et surtout bonne année 2024. À ta maman. À ta copine, à tous tes proches. Oui, à Philippe. Hein. Sûr, je vais te transmettre. On voit souvent tes commentaires, souvent très, très intéressants sur la région. Tu as toujours une bonne connaissance de l'histoire des territoires de cette région et ça nous fait vraiment plaisir. Ah, puis j'espère aussi revoir cette fois-ci ma cousine dans le Chablais parce qu'elle a eu plein de soucis cet été. D'accord. Zona, donc on a été obligé d'échanger automatiquement en visioconférence. Ah bah oui, Zona, oui. Et puis c'est elle qui était en confinement, quoi. Je comprends bien, on va saluer ta cousine du Chablais. Et encore merci d'avoir pris le duplex ce soir, Annelise, on te reverra très vite. Eh oui. À bientôt, merci encore, grosse bise à toute la famille et à toi également. Oui, bonne et heureuse année. Et merci, bonne et heureuse année. C'est gentil, merci beaucoup. À tout bientôt, merci, au revoir à toutes, merci encore, au revoir. Abonnez-vous en direct depuis pas loin d'Angers, vous voyez, ça me fait plaisir, 22h54 dans une heure. Préparez-vous, hein. Je pense que là on approche tout doucement, il y a toujours un peu de tension avant. Et puis après, on fait la fête. Souvent, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, elle commence souvent avant et elle peut finir après. Et puis, on rappelle que dans les stations, il y a beaucoup de monde et il y a vraiment beaucoup de gens qui ont envie de faire la fête parce que on a besoin aussi de s'aérer un petit peu. Un grand merci à Annelise d'avoir pris le duplex. N'hésitez pas à vous de prendre le duplex. J'ai essayé de voir si on peut toucher mon frère jumeau, s'il est disponible, évidemment. On va voir ça. Il est peut-être pas en ligne. Je sais pas ce qu'il fait. Il y a peut-être pas encore. Pourtant, je l'ai prévenu qu'on allait essayer de le joindre. Mais en tout cas, voilà, ça me fait plaisir. Bon réveillon. Alors, je reprends les messages, parce que j'ai un peu abandonné les pas. Bonjour, bisous du Dauphiné, nous dit Christophe, du Dauphiné. Bonne année de Nouméa. Ça, c'est sympa, Pierre de Nouméa. On était en direct avec Nouméa. Coucou, le petit Gimo, nous dit Dan. Daniel, bon réveillon, Daniel. On t'embrasse très fort et passe une belle soirée et une bonne année 2024. On se reverra. Daniel qui partage avec la place du village beaucoup de choses communes. L'amour des gens qu'on rencontre, des choses simples et belles. Et on a beaucoup de plaisir à la rencontrer, à discuter. On s'était vu cette année pour des rencontres à Chauffailles, en Saône-et-Loire, dans un département qu'on aime bien. Et on va en profiter pour saluer aussi le GAEC, les IGES, avec lesquels nous sommes en contact régulièrement, à Dompierre-les-Ormes, du côté de la Saône-et-Loire, parce que on a un fil rouge avec ce monde agricole. Ce sont de jeunes agriculteurs, Mathieu et Benoît, qui nous reçoivent chez eux. On l'a fait plusieurs fois en 2023. On le refera en 2024 et ils nous parlent de leur agriculture, ils nous parlent des questions agricoles, des problématiques. On est là pour ça aussi. Regardez-moi ça, bonsoir du Berry, nous dit Patrick. Salut Patrick, j'imagine que ça doit y aller là-bas, Béric, au Berry. J'ai bu un super Gaillac de 2012. Déjà le Gaillac, même s'il n'est pas 2012, il est bon. Evelyne, moi j'y vais en juin à Megève. Il faut venir nous voir, Evelyne, effectivement, en juin à Megève, vous allez voir, il y a plein de fleurs. Vous connaissez certainement Megève. Mes parents avaient un chalet au Mont d'Arbois, qui est une très jolie station, Megève, avec des sommets magnifiques tout derrière. Francine nous parle depuis Thonon, qui nous souhaite un bon réveillon. Bon réveillon à toi aussi, Francine. Voyez, on essaie de regarder un peu les messages qui défilent. Bonsoir du Berry. On rappelle, le duplex est ouvert dans une heure. On bascule tous ensemble en 2024. On a déjà eu des gens qui ont basculé. Tout à l'heure, en direct, c'était des gens de Nouméa. Pour eux, c'est déjà 9h du matin.
Et on a vu des gens en Floride, Jean-Michel qui était en Floride tout à l'heure. Je sais pas encore le réveillon. Vous voyez, ici, ça a commencé très tôt tout à l'heure. C'était du côté de la Nouvelle-Zélande. On a vu des photos, des images, donc, tout à l'heure, du côté de la télévision, du côté de la Nouvelle-Zélande. À 10 cm de neige à Aberpoche, nous dit Jérôme. Alors, Aberpoche, je suis passé il y a pas longtemps. C'est une très belle région, évidemment, de la vallée verte, comme on l'appelle, mais les blanches ce soir. Chloé de Gang. Alors, Chloé, on va la saluer. Est-ce que peut-être elle peut nous faire un petit duplex? Je sais pas comment ça marche du côté de Montmelard. On l'avait eu, je crois, l'année passée ou il y a 2 ans, je sais plus exactement. Et on sait qu'elle est fidèle à sa page avec son papa en particulier, Bernard. N'hésitez pas à nous rejoindre en duplex. Je sais pas si vous savez faire la manip. Sinon, moi, je vous appelle directement. On va essayer de voir si on peut appeler peut-être des gens finalement. Tiens, on peut faire comme ça aussi. Mais avant, je vais quand même lire les messages puisqu'il est 22h58. Bonsoir de l'Aveyron, nous dit Ludovic. C'est sympa, merci. Bonne soirée également à vous, Ludovic, depuis l'Aveyron. Bonne année 2020, nous dit Thierry. Vous voyez, merci. Un petit bonsoir de Montmelard. Voilà, bonne année 2024, nous dit Karine. Bonsoir de Picardie, bonne année de Nouméa, lui dit Pierre, qu'on a eu tout à l'heure, Pierre, si je ne m'abuse, allez voir, oui, c'est tout à fait ça, non, c'était Jean-Luc qu'on a eu, c'est Pierre, on n'a pas eu Pierre, Nouméa, ouais, donc c'est le monde entier qui peut nous regarder ce soir en direct, bonsoir de Montmelard, nous dit Bernard, n'hésite pas à prendre le duplex, tu sais comment ça marche, meilleurs vœux, bonne année de, bonsoir de Taloire, nous dit Lydie, c'est sympa. Ah ben ouais, mon frère jumeau est en ligne. Là. Bonsoir et belle soirée à toutes et à tous. Bah alors Philippe, tu te mets sur la piste là qu'on te voit un peu, voir un petit peu si tu as quelques grammes ou pas. Mais je pense que tu es assez sobre en général. Donc c'est nous parler un peu de ce qui se passe là au pays du Mont Blanc. Si tu m'entends, si tu nous vois, n'hésite pas à faire une demande. Ça nous fera plaisir de voir comment ça peut passer. Puis l'occasion de donner la parole pour parler évidemment à ces et ceux qui nous ont déjà reçu en direct, qu'on soit avec des gens de Belgique, qu'on est bien de Floride ou encore de Nouméa. C'est un peu la planète qui tourne progressivement et qui nous bascule inexorablement dans l'année 2024. Bonne année 2024, la place du village de Savoie, nous dit Sylvie. Merci Sylvie, on te retourne évidemment de grosses bises et évidemment une belle année 2024. 2024, vous vous rendez compte, c'est déjà, ça passe vite hein, finalement une année. On se rend pas bien compte, hein. Bernard Degan, Philippe qui salue la famille Degan, effectivement depuis Montmelard. On rappelle le duplex, vous avez 4 petites touches normalement à gauche, en dessous de l'image que vous avez ici. Vous touchez dessus, ça vous autorise à venir à discuter avec moi. Et puis là, on passe quelques minutes ensemble. Ou alors, vous avez encore 2 petites images l'une sur l'autre, si vous regardez bien, vous la touchez et vous avez l'autorisation. Alors, bien sûr, c'est à vous de faire la démarche, de demander. Et moi, je suis sûr d'y répondre. C'est comme ça que ça se passe. On va regarder un peu comment ça se passe. On va essayer de voir si on peut trouver quelqu'un en direct, on dit bien, dans la place du village. Il est 23h. Dans 1 heure, nous y passons tous, en tout cas amis français, évidemment, dans l'année 2024. Vous vous rendez compte, 2024, on a déjà quasiment parcouru un quart du 21e siècle. Bonsoir Michel, qu'on attend. Ah, Michel en direct. Bonsoir Michel. Bonsoir. Comment ça va, dis donc? Ça, c'est drôle. Ça, oui, bonsoir. Ah ben dites donc. Eh ben, on va le saluer ce petit. Mais c'est quoi? C'est une petite marionnette, c'est ça? Petite, ouais, elle est grande, ouais, c'est ça, grande. Une grande marionnette. Mais il le fait bien, dis donc. Ah ben ça. Alors, il est ventriloque, notre ami Michel, ou pas? Non, c'est mon fils Thomas. Ah, c'est le fils Thomas. Alors, ouais. Allez, pas de tromper. Donc, le fils Thomas nous fait un petit bonjour avec un numéro de ventriloquie. C'est ça, alors on sait pas comment ça marche la caméra, mais on va trouver. Ah, c'est trop bien. Oh, dis donc. Et alors, montre bien l'image, parce que là, j'ai surtout Thomas, c'est très bien, mais je voudrais voir un petit peu la tête de l'animal qui est à côté. Comment on fait pour reculer la caméra? Recule la caméra. Allez, Michel, recule la caméra. On veut y voir. On veut y voir, nous. Mais comment on fait sur la caméra? Décale un tout petit chouchouilla, Thomas. Décale un petit peu sur la droite ou la gauche, qu'on y voit mieux. Ah, le voilà. Ah, mais vous, oui, tu le devines. Mais c'est un beau bébé. Ah oui, je sais, oui, mais non, c'est trop tard. Extraordinaire. Alors, il habite où, ce beau bébé-là? À Domancy. À Domancy, mais c'est là où ça va, donc on est voisins. Mais oui, c'est oui. Ça, c'est clair. Et non. Mais alors, est-ce que notre ami Thomas fait des numéros de ventriloque? Ouais, c'est ça, ouais. Ah ben,
Et c'est pas la même voix, hein. Il était au marché de Montsou dernièrement. De quoi? Dis-nous, à quel moment on peut te voir? Parce que moi, je trouve ça super de faire de l'entrée de l'opinion. Bah là, récemment, j'ai... De Montsou. Ouais, j'ai fait Domancy, j'ai fait le marché Noël de Domancy, là, récemment. Ah, bien, bien. Et bah là, prochainement, on a quelques dates de prévues. On a quelque chose qui peut... Un gros truc qui peut potentiellement arriver, on peut pas encore en parler. Ouais. Mais ça peut être un gros truc. Et après, sinon... Je peux le dire pour le 12 ou quoi? Oui, bah vas-y. Et sinon, ouais, on fait les vœux d'hiver de Domancy le 12 février. Non, 12 janvier. Ah, il est drôle. Ça me rappelle. Ah, tu sais que moi, je suis fan de Jeff Panaclock, hein. Donc là, c'est vraiment. Salut. Non, mais ça y ressemble, c'est un autre personnage. Mais Jeff Panaclock, bon, effectivement, Jean-Marc, il est quand même vachement. Il est cru parfois. Il est cru. Un tout petit peu, à peine. Mais lui, à son âge, il a quel âge, notre petit bonhomme? Moi, j'ai un nom, moi. Et comment il s'appelle, le petit bonhomme? Philippe. Il s'appelle Philippe. Oh, écoute ça. Ouais. Moi, je trouve ça formidable. Il faudra nous dire à quel moment on peut te croiser quelque part. Moi aussi, c'est le coup formidable. Ah ben, c'est gentil, ça. C'est gentil. Alors, mais t'as appris... Il y a longtemps que tu fais ça ou bien, Thomas? Un an. Un tout petit peu plus d'un an. Ouais. Eh ben écoute, moi je vais te souhaiter de continuer dans cette direction et peut-être de faire un incroyable talent, mais en tout cas ce soir, incroyable c'est talent, c'est Thomas. Merci, c'est prévu, on passe le casting. Ah, c'est prévu pour le casting? Oui, on passe le casting en ce moment, là, tout de suite, là. Ah ben ça c'est le casting, ben, déjà, moi je vais appeler les responsables. Ben, en tout cas, moi je trouve que c'est formidable parce que je trouve tellement difficile de changer la voix. Parce que Thomas, vas-y, Thomas, fais-moi ta voix maintenant, Thomas, ta voix. Bah bonsoir. Non, normal. Voix normale. Et maintenant, vas-y. Non, bah ouais, bah Philippe. Voilà, là c'est parlé avec une voix normale. Et là, c'est ma voix, c'est moi, c'est Philippe. Mais comment on fait pour pas bouger le visage, pour avoir une voix aussi claire, aussi nette, aussi différente? Bah en fait, c'est une malformation au niveau du larynx. Ah. Et après, il faut juste travailler. Alors, il y a du travail, mais il y a aussi du talent. C'est ça. Moi, je suis talentueux. Hein. Modeste aussi. Mais il a le droit. Alors, ce qui est génial, Thomas, c'est que avec ta marionnette, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Ouais, mais non, sinon on va être censuré après. Non, bah écoute, nous, la place du village, on peut tous dire. Attendez. Oui, et puis si on nous sinon, censure... Sinon, ça fait trop de gestes à la cloque. Et nous, ça en veut pas. Exactement. Il faut que chacun ait sa couleur et sa touche. Voilà. Ah, c'est drôle ça. Eh ben écoute, moi je suis ravi. On va saluer ton papa Michel qu'on voit pas d'ailleurs. On l'a pas vu là. Il est là. Regardez-moi. Bon réveillon. Bon réveillon. Alors comment se passe le réveillon avec Philippe et puis toute la famille là? Bah là on fait un petit film de Noël tranquille. Et puis on va voir ce qu'on fait après. C'est super sympa. Eh ben moi je vous souhaite un bon réveillon à tous les trois. Merci. Et je vous souhaite une très belle année 2024. Et on promet à nos téléspectateurs qu'on essaiera de revoir Thomas et Philippe dans la place du village. Ah, quand en vous direct voulez. Ou pas. Ça fera plaisir. Avec demain plaisir. Si c'est pas loin. Voilà. Plaisir. Merci beaucoup. Harvey, merci Philippe. À vous. Bon réveillon. Au revoir. Harvey, Thomas. Salut. Harvey, Michel. À tout bientôt. Harvey. Ah, ça, c'est drôle. Il est jeune, mais il parle déjà bien, bien le savoyard. Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, ça, c'est la surprise du soir. Un direct comme ça, à 23h06, à moins d'une heure de du réveillon. On était en duplex avec, ventriloque. Ça fait plaisir. Un jeune ventriloque, Thomas, qui habite à Domancy, en Haute-Savoie, et qui était avec, son compagnon, ce petit bébé qui parle de façon très drôle. Moi, je suis toujours fasciné par ce talent-là. Nous sommes toujours en direct dans la place du village. Et bonjour depuis Beauvais, nous dit-on. Ben, on vous souhaite bien sûr là encore une belle soirée. Puis on parle de vœux, évidemment, de paix, de tolérance, de respect. Oui, je pense que le message général qu'on peut donner en cette fin de journée, ce réveillon, c'est que 2024 soit bien meilleur qu'en 2023. On est de bon moment. Merci de Foulque du Réau qui nous écrit aussi un petit message. Merci Bernard, vous êtes génial. Les frères de Paris, ça me fait plaisir. On essaiera de se croiser, Bernard. Je vais te montrer faire un tour à du côté de Montblanc, un de ces quatre. Et je vais remonter là-haut bientôt dans la montagne. On va essayer de retrouver encore quelqu'un en duplex. C'est ouvert, le duplex ce soir. On a passé une belle soirée en tout cas ensemble. Puis après, on va vous laisser parce qu'on aura, nous, un direct avec Johan Guillermin sur cette même page, qui sera au Grand Bornand, et puis on va vous laisser, bien sûr, fêter en famille.
On va rejoindre Christelle. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, Jean-Noël, ça va? Bien, et toi, comment tu vas, Christelle? Ben, ça fait longtemps. Oui, longtemps qu'on ne s'est pas eu en liaison, comme ça, par le duplex. Tu es toujours dans le Var, c'est ça? Oui, toujours. À quel endroit exactement? C'est à Fréjus, c'est ça? Non, à Sifour. À Sifour. Ah, à Sifour les plages, Christelle. Comment se passe ton réveillon? Ben, ça va, et quoi, il neige chez toi? Alors oui, alors nous, cet après-midi, on a eu droit à une bonne chute de neige comme on les aime, on s'est vraiment fait plaisir. On a publié sur notre page pas mal de choses là-dessus et c'était un régal. Tu peux même me montrer dehors là, vite fait? Alors, je peux parce que je suis un petit peu bloqué, parce que je suis dans une petite partie du chalet où je suis ce soir et je suis un peu bloqué pour l'instant. Mais en plus, il fait nuit, donc il n'y a pas grand-chose. En plus, il neige plus. D'accord, ok. Quel temps là-bas du côté de Sifour? Mais il fait beau. Ah, ça c'est sympa. C'est quand même bien d'avoir dans le sud quand on a du soleil comme ça en ouais. Fin d'année. Eh, ça fait plaisir. Eh bien, je vais te souhaiter de passer un très bon réveillon, Christelle. Mais et toi puis aussi, une belle année 2024. On t'embrasse tous très fort. Bisous. Et à tout bientôt de se retrouver. Bisous, à bientôt. Merci beaucoup, Christelle, qui nous a répondu. Ciao. Depuis. Ciao, ciao. Merci, bonne soirée en tout cas. Et bonne année 2024 encore. Depuis Sifour, c'est le sud de la France, c'est du côté, c'est dans le Var, vous voyez, parce que on a un peu fait le tour des popotes ce soir, hein. Il y a pas mal de choses, hein. Il est 23h09, hein. Bientôt ça va basculer en 2024, j'espère que tout se passe bien chez vous. Et ici dans la région, il y a beaucoup de monde, hein, dans la montagne, et tout à l'heure il y avait dans les rues beaucoup de gens qui préparaient le réveillon, on est en plein dedans maintenant, on va arriver bientôt à ce moment fatidique, je vais voir si mon frère jumeau est en ligne ou pas. Philippe m'avait promis, il m'avait bien promis de faire un duplex, je ne sais pas où il est actuellement, on va essayer de voir si on peut le retrouver, voilà, mais en tout cas pour l'instant, on a eu pas mal de monde ce soir, ça me fait plaisir. En particulier, on rappelle la pensée particulière pour les gens qui pourraient souffrir problèmes de santé ou problèmes d'inondation, on en a parlé tout à l'heure. Donc on est bien sûr avec vous, on espère que ça va s'arranger assez vite et que tout ira mieux en 2024. Meilleurs vœux, dit Séverine. Depuis Tramail, Séverine, bah, écoute, ça fait plaisir. Je vais remonter dans les jours qui viennent du côté de Tramail. On te souhaite effectivement à toi et à toute ta famille une très bonne réveillon, puis une très belle 2024. Et puis sur à tous les Tramaillons qui nous regardent, c'est du côté de la Saône-et-Loire. Bonjour du Puy-de-Dôme, de la part de Raymond qui nous regarde également. Voilà, ça fait plaisir. Eh ben, n'hésitez pas à mettre encore vos messages. On les regardera tous. On essaiera peut-être d'y répondre ou presque à chaque fois. J'essaie de voir un petit peu ce qui défile actuellement. Toujours en direct à maintenant 23h10. Et donc, ça veut dire aussi que, eh bien, la roue tourne, le temps passe tout doucement et on approche de ce moment fatidique. On va bien sûr tous se souhaiter les meilleurs vœux pour 2024 et puis en espérant que tout aille mieux dans le monde aussi, hein, parce que c'est pas toujours facile, hein. On nous écrit même, je crois que c'est de l'espagnol, hein, Village Place. Muito bonita, la bonne nuit, nous dit-on à la place du village, nous dit Maria, qu'on embrasse là où elle est. On ne sait pas exactement où elle se situe. Merci Nicole, santé, paix, bonheur, ça c'est des beaux messages. On essaie de regarder. Alors, je prends un peu soif, je trinque encore un petit coup avec vous, un petit coup de champagne. Il est bien frais, il est bien bon, j'espère que pour vous ça se passe bien également, pour ce réveillon. Voilà, bah, écoutez, je vais regarder encore s'il y a encore quelques personnes qui peuvent nous répondre éventuellement en duplex. N'hésitez pas à nous avertir, à nous envoyer un petit message. Et on va regarder si on peut avoir peut-être Megève. En tout cas, pas sur Harry. Je pense que moi, je vais essayer de le joindre. Le voilà. Le voilà, il s'est fait attendre. Il s'est fait attendre. Bonsoir. Comment tu vas? T'as vu, je t'ai appelé cette fois-ci. Hein. C'est bien d'appeler. Bonsoir. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents ce soir parce que vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir. Toi, tiens, j'ai laissé le verre un petit peu plus bas, moi. Pas le renverser. Hein. Pas le renverser. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis, Jean-Noël, ce soir. Je crois qu'il y a Johan Guillermin qui nous attend du côté du Grand Bornand. Mais ça n'a pas tardé. Pour le direct avec le feu d'artifice, j'imagine. Mais bien sûr, c'est à minuit le feu d'artifice. J'ai vu les gars hier là-haut. Ils vont nous faire un truc génial. Il y aura de la pyrotechnie, il y aura de la musique. Et avec la déconneige, ça va être génial. Il fait quel temps là-haut, Philippe?
Bon, la neige a ralenti, il y a beaucoup neigé, là on a une quinzaine de centimètres ici, je suis dans le Haut-Val d'Arly à peu près à 1000 mètres d'altitude, un peu plus de 1000 mètres, il fait moins 1 maintenant, le froid est tombé, et il neigeait encore il y a 10 minutes, là ça a neigé beaucoup encore ce soir, et les routes, alors ça c'est pour celles et ceux qui vont finir le réveillon, hein, pas maintenant bien sûr, un peu plus tard, je pense que ce soir ça va être coton comme on dit pour rentrer. Prudence, alors pas d'alcool, parce que si alcool plus neige, c'est le ravin assuré. Donc, grande, grande prudence ce soir sur les routes de montagne. C'est partout pareil, hein, au-dessus de 800 mètres d'altitude. Ce soir, c'est l'événement, c'est le cadeau de fin d'année. C'est cette neige qui est arrivée partout sur les montagnes, les Vosges, le Jura, les Alpes suisses, les Alpes italiennes, les Alpes du Nord, où nous sommes ici. Et c'est vraiment un cadeau. Alors, par contre, dehors, demain matin, à l'aube, hein, au réveil, il faudra aller déneiger. Et c'est le lot de nous tous en montagne. On va déneiger demain, après avoir un petit peu passé une nuit un petit peu courte, on va le dire. Mais c'est un vrai bonheur d'aller déneiger. Et on attendait cette neige. Et ben, ça nous fait vraiment plaisir. Le paysage est absolument magnifique. Je pense que je serai bien demain matin, pas trop tard, alors, pour vous montrer les couleurs. Là, on ne peut pas le voir parce que tu es effectivement à l'intérieur. Mais on imagine que demain matin, il y aura un direct. Et puis surtout, on a plusieurs vidéos qu'on a posées aujourd'hui, Philippe, déjà. Hein. Oui, on en repostera quelques-unes. Effectivement, les vidéos ne sont pas tristes. Hein. Ce soir, ça tombait comme le poing. Hein. C'est le cadeau du réveillon de fin d'année. Il a fallu attendre les dernières heures. Hein. Alors ah oui, c'était juste, depuis, hein, ça passait juste. Hein. Voilà, on dit qu'il nous salue depuis Thessalonique, en Grèce. Vous voyez. Tout à l'heure, on a eu Jean-Luc à Nouméa, oui, on a vu, eu la Floride. Oui, tu as vu un petit peu les gens qui sont... Bon, moi, je les salue encore et les remercie d'avoir pris du PEC ce soir, c'est vachement sympa. Mais c'est tellement sympa. Et puis surtout, un soir de réveillon, alors quand on est plus ou moins seul, ben, on a le temps de venir avec nous, hein, c'est ce que les gens font. Et puis il y a tous ceux qui font la fête, qui ne sont pas avec nous, puis ceux-là, ils n'ont pas intérêt à être avec nous, puisqu'ils font la fête. On leur souhaite en tout cas à tous et à toutes. Bien sûr. Ben, une très belle soirée, il reste à peu près trois quarts d'heure, à peu près, il doit être 14. Ouais, 14, non, 23h14, donc trois quarts d'heure. On va saluer la team, la place du village, puis la team, on va saluer tous ceux qui sont avec nous à nos côtés pour faire des émissions et directs. Bien sûr, toute l'équipe. Toute l'équipe, bah oui, il y a Guillermin qui est sur place, là, qui doit trépigner, hein, pour faire le direct. Et puis, nous, on va finir. Thériault nous entend, s'il peut faire un petit bout de duplex juste avant son direct, ça peut être sympa de nous dire un peu ce qui va se passer au Grand-Beau. Oui, s'il n'est pas là, Johan, ben, il prend le direct et puis comme ça, il nous explique ce qui se passe. Et puis, on va saluer Lydie Rose en Lozère, tu as parlé tout à l'heure. On a Alain Molo et Josie qui sont du côté d'Albertville. On a Michel Ponté, on a Marc Garcia qui est notre consultant expert en ski. Et demain matin, il va skier assez tôt. On l'a encore vu aujourd'hui, on le verra prochainement encore pour le prix du ski. On a une grande équipe et on va avoir d'autres personnes dans cette équipe. On n'en parle pas plus pour l'instant, mais on n'est pas tout seul, Jean-Noël, heureusement. D'ailleurs, sinon, on ne ferait pas grand-chose. Bon, on est déjà deux, c'est pas si mal. On est très heureux d'être avec toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir. On a eu une liste du côté d'Angers, on a eu ce ventriloque de ce Thomas. Oui, et tu connais peut-être son Thomas et puis son papa Michel qui sont du côté de Domancy. On s'arrangera pour retrouver parce que c'est des gens qui méritent qu'on les soutienne et puis surtout on lui souhaite un parcours magnifique justement et là c'est que du bonheur ce soir de profiter de ceux qui sont moins occupés parce que ceux qui sont en train de danser ils sont pas avec nous mais c'est pas grave on les retrouvera mais d'ailleurs il peut prendre le direct on peut les voir en train de danser puis on pourra trinquer avec eux s'il faut on ne les passe après hein. Justement je vais redescendre retrouver là, un petit peu toute l'équipe et puis ils sont profiter en haut, mes camarades ils sont juste en haut moi là. Je suis isolé en bas ils sont en haut ils commencent à mettre le potard un peu plus fort ils viennent de m'appeler mais 2 minutes encore hein. Philippe en 2024 la place du village aura 30 ans d'existence tu sais que tu rappelles bien on a commencé les premières émissions à 8 Mont-Blanc c'était en 2024 tu t'appelles non c'était en 1994 pour être très précis oui en 1994 et ça fait 30 ans mais ça c'est l'effet boule de neige voilà ben, je pense qu'on va peut-être alors on n'en dit pas plus pour l'instant on en reparlera bientôt autour du 11 janvier mais on annoncera des nouvelles justement parce que 30 ans ça fait beaucoup il faut marquer le coup d'une pierre blanche on va remercier tous les commentaires qui arrivent parce qu'il y a plein de commentaires je vois que tu n'as pas les mêmes commentaires que moi donc une bonne fête de fin d'année depuis la Meuse c'est Alex qui nous donne un petit bonsoir là, et puis on lit les commentaires, ils sont extrêmement nombreux ce soir. Très sympa, vraiment très, très sympa. Très sympa vraiment. D'être avec nous ce soir, c'est un bon moment. Ça nous fait vraiment plaisir. On ne va pas occuper l'antenne Jean-Noël, on va laisser la place à Johan, on va souhaiter belle fin de soirée, et puis on mettra un petit message bien sûr monsieur minuit. Bon, et puis, bon on verra vite, mes copains là-haut m'ont dit, tant que tu ne remontes pas, on ne te le remplit pas. Et puis on va vous souhaiter une belle soirée. C'est du champagne, avec modération évidemment. Bien sûr. Et puis Liliane nous dit qu'elle est adorable. Alors, elle est gentille, Liliane, mais elle est adorable aussi de nous le dire. En tout cas, ça nous fait très, très plaisir. Voilà.
Et bonne année, vous avez gâté avec vos reportages, nous dit Regina. Eh ben, écoutez, on va continuer l'année prochaine. Beaucoup de messages. On va continuer très vite. Et peut-être demain matin, à l'aube, après le déneigement, évidemment, peut-être que j'aurai le temps de faire un petit direct pour vous montrer les paysages cette fois-ci. Parce que nos têtes, c'est une bonne chose, c'est pas l'essentiel. Et moi, je... c'est les gens qui rencontrent. Il fait plus froid chez toi que chez moi. Moi, j'ai ouvert le col de chemise. Ce soir, oui. Là, ce soir, on va aller voir les feux d'artifice dans un instant dehors. Ah oui. Et puis, je suis à côté de Megève. Je peux vous dire que sur Megève, il y aura beaucoup d'ambiance tout à l'heure. Et la connexion ne passera pas. Donc, ce sera pour nous. On ne vous montrera pas de direct. On ne vous montrera rien du tout. Johan sera en direct, lui. Johan sera en direct. J'espère pour dire que la connexion va tenir. J'espère beaucoup de téléphones à ce soir-ci. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont se souhaiter les vœux. On va vous les souhaiter, Jean-Noël. Moi, je vous laisse parce qu'on ne va pas rester tous les deux dans cette soirée. Moi, c'est pareil. On remercie toutes celles et ceux qui nous ont mis des messages. Il y a plus d'un million d'abonnés. On est à 1 050 000 et quelques, je ne sais plus combien exactement. On nous salue de Belgique. Hein. On salue Daniel Sido, la famille Sido. On les embrasse très fort. On les salue. Vous voyez, et Regina, elle nous met un petit mot champagne, justement. Ben, ça nous fait plaisir. Allez, on n'a encore rien bu. Là, pour l'instant, on est à zéro. Zéro et des broutilles. Alors, moi, avec mon verre est vidé, je suis un peu plus que zéro, là, mais je ne prends pas la route. S'il n'y a rien dans le verre, tu as peut-être quelques grammes qui commencent, mais on ne va pas sortir ce soir. Et la bouteille n'est pas encore tout à fait vide. Hein. Ouais. Il en reste encore. Mais bon. On va le rappeler pour tous les vacanciers et toutes ces personnes sur la route. Faites très attention parce que les routes sont vraiment difficiles ce soir. On est habitué, ce n'est pas un problème du tout. Mais il faut faire très, très, très attention parce que je peux vous dire que pour sortir, ce n'est pas évident du tout. Et pour rentrer, c'est encore pire. Voilà. Allez, bonne soirée. Écoute, bon réveillon, Philippe. Et puis, j'ai bonne année. On se reparlera peut-être à l'heure après minuit. Voilà, je salue. Salut Yohann Guillermin qui va nous succéder. L'équipe, évidemment. Toute l'équipe jusqu'à point d'heure, effectivement. Et puis, belle soirée. Puis, merci à toutes et ceux qui sont extrêmement fidèles. Aujourd'hui, j'ai rencontré la famille Brossard qui vient de Montbrison. Ils sont très fidèles à notre page aussi. Alors, ce soir, ils font la fête, donc ils ne sont pas avec nous parce que ce soir, on espère que vous faites la fête de votre côté. Merci encore, nous dit Micheline. Voilà, Daniel qui nous dit bonne et heureuse année à nos jumeaux préférés ainsi qu'à la place de la bise de Nombozel. Daniel, tu embrasses toute la famille surtout parce que voilà, tu sens que des fidèles. C'est une grande famille, la place de l'âge. On est tellement heureux de vous avoir. D'être avec nous ce soir. Alors, il est bientôt 24 heures, hein, et bientôt minuit. Ouais, tu vois, ça papillote déjà. Et puis après, il y aura, bien sûr, tous les moments de fête, hein, pour fêter cette nouvelle année qu'on espère, évidemment, encore meilleure que l'année dernière, évidemment. Allez, moi, j'y vais. En bref, merci, Védard Duplex. En tout cas, bonne soirée à toi, à tous tes copains, à la famille d'Ao. À tout bientôt. Allez, merci. Il faut que tu m'enlèves. À bientôt. Mais je t'enlève, c'est bon, ça y est, c'est fait. Voilà. Eh bien, écoutez, cette soirée va prendre fin. C'est un bonheur d'être avec vous, nombreux à participer. Merci de l'avoir fait, que ce soit depuis la Floride, depuis Nouméa, depuis pas mal d'endroits. Et on pense une fois de plus à ceux qui pourraient souffrir. Et on va achever ce direct ici. Vous laissez passer les dernières minutes de 2023 ensemble. Et puis, on se retrouve bien sûr très vite. Johan Guillermin sera en direct pour le passage sur cette même page de la nouvelle année avec un feu d'artifice. Hein, on va vous l'offrir ce soir. Et puis, on remercie toute l'équipe qui participe, évidemment, à cette page. Vous êtes très nombreux à nous regarder. Et ça fait partie aussi des satisfactions qu'on a eues en 2023 à franchir le million d'abonnés sur la page Facebook et à avoir beaucoup d'abonnés sur différents réseaux. Il y a beaucoup de messages. J'ai pas pu tous les lire, malheureusement. J'ai pas pu, évidemment, je suis désolé parce que ça a pas mal défilé. Je vais vous laisser passer une très belle soirée. Encore une fois, bonne fin de réveillon. Encore une fois, de très bons vœux pour 2024 et puis surtout la bonne santé. Et puis à tout bientôt pour de nouveaux directs. Dans un instant, Johan sur cette page. Merci, merci, merci. Et encore une fois, je trinque, mon verre est vide. C'est pas grave, on va la remplir. Allez, salut, à bientôt. Bonne soirée, merci, au revoir.